Et bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver comme chaque jeudi soir sur 01net TV, votre chaîne d'actualité high-tech. Le jeudi soir, 18h, 18h30, bon, 18h02, 18h30, on a un petit peu de retard. Ah oui, on a un peu dérapé là. Et qu'on est en direct, c'est le débriefing de l'actualité high-tech de la semaine. Jérôme Colombin, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Et ce soir, François, attention, ça va chauffer. Bah non, mais j'allais la faire, ça va chauffer. Excuse-moi. Non, mais c'est vas-y. Non, il me plie, il me pique. Mais reste là, écoute, excuse-moi. Tu sais, tu veux que je te déclare ma flamme? C'est ça que tu veux? Là, non. Alors ce soir, c'est open bar, oui, sur les blagues en rapport avec la chaleur, le boom, la flamme, tout ce que vous voulez. Exactement. Puisqu'en effet, on va parler du Galaxy Note 7. Sans artifice. Non. Non, enfin bon, celle-là aussi, on va pas trop la faire. Il vaut mieux prendre les choses un petit peu à la légère, même si franchement, il y a de quoi pleurer. Et on va débriefer tout ça, tout ce qu'il faut savoir sur cette affaire incroyable. On va voir ça avec notamment Jean-Sébastien Zanqui de la rédaction de 01net, qui connaît le dossier, qui a suivi le dossier dans les moindres détails. Et qui va faire bouler un Galaxy Note 7 en direct dans ce studio. Non, bien sûr, ouais. C'était aussi pour plaisanter. Pas de Zoom Actu exceptionnellement. Ce soir, on fait un gros bisou à Delphine Sabatique qui est grippée. Bah oui, elle est au fond de son lit, Delphine, elle a de la fièvre. Si tu nous regardes, on te fait un énorme bisou. Voilà, et on te retrouve la semaine prochaine. Mais à la place, eh bien, nous allons recevoir la fine équipe du Labo 01net. Comme d'habitude, hein, pour découvrir les produits qui viennent d'arriver au labo et qui seront prochainement présentés en test. Bien sûr. Et puis surtout, François, l'événement. L'événement. Les 01net Awards. Et oui, comme chaque fin d'année, les 01net Awards arrivent, les amis. Avec plein de catégories, les meilleurs produits high-tech de l'année, testés et approuvés par la rédaction, par le labo de 01net. On va en parler tout à l'heure, c'est voilà, le début d'une longue série de réjouissances avec ces 01net Awards. Ce sera tout à l'heure avec Stéphanie Molini qui viendra nous expliquer le concept tout à l'heure. Voilà. Sinon, Raphaël Grably viendra nous présenter également le nouveau bracelet Fitbit qu'il vient de recevoir et donc qui était en train de tester. Là, vous voyez actuellement à l'image un sportif de haut niveau en train de tester un bracelet connecté. D'ailleurs, le caméraman a eu du mal à le suivre hein, parce qu'il marche très vite. Ah non, mais il a une énergie incroyable. C'est faux. C'est voilà, beau. C'est Pierre Thiolin, on dira pas son nom, hein, c'est Pierre Thiolin. Et puis Jérôme, tu nous présenteras un petit coup de cœur, un sac à dos un peu particulier, on ne vous en dit pas plus, mais il y a de la techno dans ce sac à dos. Voilà. Soyez les bienvenus les amis, c'est parti pour 01 Live Hebdo comme chaque jeudi. Le hashtag 01Live, bien sûr, comme nous sommes en direct, vous pouvez réagir avec nous sur Twitter. Posez vos questions à Jean-Sébastien, revenir sur cette catastrophe du Galaxy Note 7. Hashtag 01Live. Mais avant cela, la question 01Net Orange, elle concerne bien sûr cette actualité liée au Galaxy Note 7. Avez-vous moins confiance dans les produits Samsung après l'affaire du Galaxy Note 7? Donnez-nous votre avis, vous allez sur www.01net.com et vous votez oui ou non. On fait le point tout à l'heure. Voilà, Jean-Sébastien Zanqui nous a rejoint. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Salut, journaliste Jean-Sébastien. À 01net.com. L'année 2016 va, à mon avis, être très vite oubliée ou justement pas oubliée du tout par Samsung parce que c'est vraiment une année de malheur. Hein. Oui, en effet. Enfin, Samsung, en tout cas, je pense qu'ils ont vraiment envie de l'oublier cette année parce que cette fin d'année est terrible pour la marque. Donc, comme vous avez certainement suivi cette année, enfin cette semaine, Samsung a complètement arrêté le Galaxy Note 7, la production. Ouais. Dire, ce modèle n'existe plus. Son flagship, c'était vraiment peut-être le plus beau smartphone de cette fin d'année. Qui était, et c'était un techniquement un très beau smartphone, un des meilleurs concurrents de l'iPhone 7. Et d'ailleurs, c'est certainement ce qui a causé un peu la perte de Samsung là-dessus, ils ont certainement voulu le sortir un peu trop vite pour prendre de court les ventes de l'iPhone 7. Alors, on dit souvent l'été sera chaud, mais l'été a été très chaud pour Samsung, puisque tout a commencé, si mes souvenirs sont bons, au mois d'août. Tout à fait. Moi, je me souviens très bien, en plein mois d'août, Samsung convoque les journalistes à Londres pour un pré-briefing du Galaxy Note 7. Je crois que c'était Raphaël Grably. C'était moi. C'était toi, pardon. C'était moi, Donc, tu avais vu en avant-première ce téléphone. Nous, on l'avait vu. On l'avait vu à Paris, à l'IFA. À Paris, à l'IFA. Ensuite, à l'IFA, il y avait une présentation également en début septembre. C'est vrai qu'on avait été bluffé par ce très beau smartphone. Oui, on l'a eu entre les mains quelques jours. Bien sûr, on l'a testé, etc. Tout à fait, au labo.
Et puis, patatras. C'est ça, c'est une espèce de descente aux enfers, en fait, au fur et à mesure de l'avancée des choses. En fait, c'était en plein pendant l'IFA, d'ailleurs, Samsung devait sortir, c'était le 2 septembre, Samsung devait sortir le téléphone en Europe. Il était déjà disponible aux États-Unis, il était déjà disponible en Asie. Il y avait commencé à y avoir quelques problèmes. Et en fait, Samsung, en plein IFA, annonce suspendre pour l'instant la commercialisation. Il n'y avait que les précommandes qui étaient disponibles pour l'Europe. Alors, pourquoi ? Parce que certains exemplaires de ce téléphone prenaient feu. Ils se mettaient à chauffer. Se mettaient en autocombustion, quoi, en quelque sorte. C'est ça, ouais. Hein. Et puis, il y avait des dégagements de fumée qui étaient assez toxiques, en fait. Hein. Ouais. Il y a eu plusieurs cas. Il y a eu quelques blessés. Il y avait des personnes qui avaient leur Galaxy Note 7 dans la poche, par exemple. Il y a eu des brûlures au niveau des jambes. Il y a une personne qui a été incommodée parce que son Galaxy Note 7 a pris feu pendant la nuit. C'est ça, dans sa chambre. Il a risqué des gaz. Parce qu'évidemment, quand ça se consume, vous imaginez que ces produits électroniques, c'est pas terrible. Il a terminé aux urgences, bien sûr. Alors, donc, campagne de remplacement. On rappelle les produits, on change la batterie en pensant que ça va régler tous les problèmes. Voilà, en fait, Samsung a changé les batteries pensant que sur les premières versions, c'était leur batterie à eux, faite par Samsung qui était concernée. Ils ont trouvé un autre fournisseur qui s'appelle ATL, ils ont changé les batteries dans les nouveaux smartphones, ont envoyé les nouveaux smartphones de remplacement, et là, patatras, ça recommence. Premier cas avéré aux États-Unis, un propriétaire là dans sa poche, il va prendre l'avion, avant que l'avion décolle, le téléphone est éteint, et le téléphone commence à prendre feu et à chauffer dans sa poche. Il évacue l'avion. Il le jette par terre, tout le monde part et évacue l'avion. Heureusement que c'est pas arrivé en vol. Bien sûr. Et puis les cas se sont enchaînés, il y a eu 5 cas, un peu plus même, aux États-Unis qui sont arrivés, et puis à chaque fois, dans la presse, c'est tout de suite, c'est monté forcément en épingle, parce que c'est quand même les Note 7 qui doivent être sûrs, c'est-à-dire que Samsung les garantit en disant qu'ils n'auront aucun souci. Alors la question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on sait à ce jour techniquement ce qui s'est passé? C'est intéressant parce que cette semaine, justement, dans le New York Times, il y a eu plusieurs témoignages, notamment d'employés de Samsung. Et ce qui est très intéressant dans l'histoire, c'est qu'ils disent tous la même chose, c'est-à-dire que Samsung n'a jamais réussi à reproduire en laboratoire ce dysfonctionnement. C'est incroyable. En fait, le problème ne viendrait certainement pas de la batterie. Le problème ne viendrait pas de la batterie. Parce qu'ils ont changé de fournisseur carrément, je crois. C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc ils ont changé de fournisseur pour la batterie, et malgré tout, les téléphones prenaient feu. C'est ça. Donc c'est autre chose. C'est certainement autre chose que la batterie. On parle d'un contrôleur peut-être qui serait défectueux. Certainement. Et qui ferait chauffer la batterie. Ce qui est compliqué, en tout cas, ce qu'on sait avec les batteries lithium-ion, c'est que c'est une technologie qui est relativement instable. Oui. C'est déjà arrivé que d'autres smartphones prennent feu. Bien sûr. Des iPhones, d'ailleurs. Pas à cette échelle. Des PC. Des PC aussi, bien sûr. Il y a Caribou qui nous dit sur Twitter, Apple a des problèmes de batterie qui chauffe et qui flambe depuis des années. Bizarrement, on n'en parle pas. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on en parle. On en parle, et surtout, c'est pas arrivé à cette échelle-là. Mais voilà, à chaque fois, c'est des... Parce qu'après, c'est des statistiques, tout ça. Hein, bien sûr. Voilà, puis, quand il y a un téléphone sur 10 millions qui prend feu, on peut imaginer que ça fait partie de l'epsilon, quoi. Mais quand... Là, il y en a eu plusieurs centaines quand il y en a plusieurs 5 millions, centaines, à peu près. Ça commence à faire beaucoup. On peut avoir des dangers. Ça devient dangereux. Samsung peut pas prendre le risque de justement mettre en péril ses clients et qui aurait un téléphone sur eux. Donc finalement, ce Note 7, il a certainement un défaut de conception. Alors c'est intéressant parce qu'il y a des spécialistes de Samsung, notamment un journaliste américain qui s'appelle Geoffrey Kane, qui a écrit un bouquin sur Samsung et qui lui dit que depuis 2 ans, Samsung a devenu une espèce d'organisation quasi militaire en termes de fonctionnement. En fait, tous les ordres viennent d'en haut. Les ingénieurs n'ont pas vraiment leur mot à dire sur qu'est-ce qui pourrait ne pas aller sur les téléphones qui sont On leur dit, vous faites un truc comme ci, comme ça, et vous discutez pas, et vous vous débrouillez, je veux pas le savoir. Exactement, coup de fouet. Et ce qui remet en cause, c'est aussi le management qui est relativement vieillissant chez Samsung, manifestement, en tout cas sur les cadres vraiment supérieurs dans la direction, et qui ne sont pas forcément à jour sur les technologies. Parce que là, Jean-Sébastien, les ingénieurs. Voilà, il faut se remettre dans le contexte. L'iPhone 7, on le savait, allait être annoncé en septembre. Samsung voulait en fait devancer Apple avec son Galaxy Note 7, le sortir un petit peu avant. Devancer l'Apple. Voilà. Comme toi avec l'armée. Devancer l'Apple même. Devancer l'Apple. Oui, puisque c'était l'iPhone 7. Ouais, ouais. Et donc on peut imaginer que Samsung a mis les bouchées doubles en quelque sorte pour sortir ce téléphone avant l'iPhone 7. Tout à fait. Et malgré tout,
peut-être qu'en se précipitant, ils n'ont pas fait subir au téléphone tous les tests. C'est certainement quelque chose de cet ordre, ouais, tout à fait. Ils ont voulu aller certainement trop vite. Et même s'il y a eu des avertissements des ingénieurs qui disaient « attention, on peut aller droit dans le mur avec ce téléphone », la direction, d'après les témoignages qu'on a en tout cas d'employés de Samsung, la direction n'a pas vraiment écouté ce qui s'est passé, quoi. Mmh. Et c'est intéressant parce qu'en fait, justement, il faut voir un peu plus large et voir justement quelle est maintenant l'organisation de Samsung. C'est-à-dire que Samsung, désormais, est dirigé par le fils d'un des présidents historiques qui, lui, a eu une attaque cardiaque il y a 2 ans, qui est toujours le PDG de Samsung, mais qui est toujours hospitalisé. Ça fait 2 ans, on n'a pas fait d'apparition publique. Cette personne-là, on ne sait pas. Donc c'est lui, la personne qui tient les rênes chez Samsung, est sur un lit d'hôpital, en fait. En tout cas, maintenant, c'est son fils qui tient les rênes, qui est le vice-PDG. Et finalement, beaucoup disent qu'il n'aurait pas eu les épaules assez larges pour pouvoir diriger la société et mettre cette organisation un peu trop avec... Enfin, cela dit, là, on tire sur l'ambulance, mais le Galaxy S7 qui est sorti il y a quelques mois est un sublime téléphone. Tout à fait. Voilà, donc malgré tout, c'est un accident, on va dire, pour Samsung, mais c'est pas pour autant qu'il faut peut-être... voilà. Non, mais il y a peut-être quand même effectivement des explications à aller chercher dans le management, dans la manière dont est organisée l'entreprise aujourd'hui, etc. Hein. Certainement, oui. Est-ce que Samsung, à ton avis, va véritablement pâtir de cet échec, de cet accident industriel? Clairement, en image de marque, c'est compliqué pour eux actuellement. Malheureusement, là, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Pas seulement les initiés en tech, mais c'est vraiment tout le grand public qui a compris qu'il y avait un souci sur le Note 7. D'ailleurs, il y a pas mal de confusion. Il y a des gens qui parlent des Galaxy S7 au lieu des Note 7, alors que ça reste d'excellents téléphones. Oui, les Galaxy S7 absolument pas rencontré ce souci-là. Ouais, ils sont pas du tout donc, affectés. Donc effectivement, en image de marque, c'est compliqué. Ouais. Après, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est savoir ceux qui avaient des Note 7, vers quoi ils vont se reporter. Est-ce qu'ils vont faire confiance encore à Samsung, prendre des Galaxy S7 par exemple, ou des S7 Edge, ou est-ce qu'ils vont passer à la concurrence? Ce qui est sûr, c'est que là, Apple a un boulevard ouvert devant lui. D'ailleurs, on voit Apple n'arrive pas à fournir en ce moment la demande. Le paradoxe, c'est qu'il manque des iPhone 7 Plus, qui est peut-être le téléphone concurrent Galaxy S7 en termes de taille, etc. Et on a du mal à en trouver parce qu'il y a des ruptures de stock chez Apple. Et il faudra voir ce que va faire Samsung. Est-ce qu'ils vont passer tout de suite à un Galaxy Note 8? Est-ce qu'ils vont conserver la marque Galaxy Note? C'est pas certain, manifestement c'est en discussion. On a lu pas mal de choses là aujourd'hui. C'est en discussion chez Samsung pour savoir si la marque va être conservée. Ça va être compliqué de sortir un Galaxy Note 8 en gardant cette appellation, sachant tout ce que implique le Galaxy Note, la marque Galaxy Note désormais. Mais c'est vrai que c'est même le mot Galaxy qui peut poser problème. Alors c'est ça le problème. Ouais. C'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de confusion. On voit, c'est les galaxies qui prennent feu. Non, ce sont les Galaxy Note 7. Ouais. Alors un dernier point, Jean-Sébastien, qu'est-ce qu'on fait si on a et que font les gens qui ont actuellement un Galaxy Note 7? Il n'y en a pas beaucoup en France, mais il y en a surtout aux États-Unis, en Asie, etc. Alors on a vu. En plus, c'est plus la saison des barbecues là. Hein. On est un peu en retard. C'est ça. Là, pour le coup, alors et puis faire des merguez sur la fumée que ça dégage, je sais pas si ce soit très bon. Des merguez au lithium, vas-y, bon appétit. Et donc Samsung les récupère. Samsung les récupère. On a vu des choses d'ailleurs hallucinantes aux États-Unis. Le kit de renvoi envoyé aux clients, justement, ça consiste en 3 cartons gigognes. Les cartons sont inifugés, c'est livré avec une pochette antistatique et des gants pour manipuler le téléphone. Et surtout, sur le mode d'emploi et sur le carton, il est précisé en lettres majuscules, ne jamais le transporter en avion. Donc en fait, ils sont tous transportés en camion. Maintenant ces téléphones vont être recyclés. Samsung dit qu'ils ont une solution très sûre pour détruire ces téléphones là mais après ça va dépendre des pays. On sait qu'en France, la filière de recyclage, elle est pas géniale non plus. Parfois ça part en France, ça part souvent en Roumanie, aux Philippines, pour être démantelé dans des ateliers qui respectent pas spécialement la législation. On ne sait pas ce que ça va devenir exactement. Quelle histoire.
Reste à savoir bien maintenant, triste histoire. Est-ce que Samsung va prendre son temps pour sortir le Galaxy S8, hein, qui est, ouais, dont on murmure de, qui pourrait être avancé justement alors pour, oui, faire oublier tout ça. Après, il faudrait mais, pas que mais voilà, ce soit avancé il faudrait trop, quand même qu'il, voilà, qu'il, ouais, qu'il arrête d'avancer. C'est ça, hein. Samsung, on n'est pas pressé. Prenez votre temps, réfléchissez, ouais, bien, étudiez bien tous les trucs, puis on n'est pas pressé. Puis rassurons tous ceux qui ont un Galaxy S7, etc. Il n'y a aucun souci. Hein. Non, c'était aucun. Vraiment sur le Galaxy Note 7 qu'on pouvait rencontrer quelques problèmes. Merci Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avez-vous moins confiance dans les produits Samsung après cette affaire de Galaxy Note 7? C'est la question 01net Orange. Eh bien, regardez la première tendance, non à 62%. Si c'est non à la question avez-vous moins confiance, ça veut dire que vous avez toujours confiance. C'est un peu ce qu'on disait, je ne sais pas si on l'a dit, mais ça ne va peut-être pas forcément faire du mal à la marque Samsung en général. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a un produit qui connaît un problème que les millions de produits dans tous, non, les secteurs, non, vont, sûr, en pâtir. Ouais. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faudra pas qu'ils se loupent sur le prochain. Ça, c'est, ça, c'est sûr. Continuez à voter www.zeronet.com. Merci Jean-Sébastien Zanquier. Tout de suite, on va accueillir Stéphanie Molinier et on va parler avec Stéphanie, Jérôme, du grand rendez-vous de la fin d'année sur zeronet.com, les Zeronet Awards. Il y a le Festival de Cannes, il y a les Emmy Awards, bien sûr. Il y a, oui, d'autres grands rendez-vous comme ça, les Oscars, les Césars. Les Gérards. Les Gérards, bien sûr. Mais il y a aussi et surtout les Zeronet Awards. On a voulu le faire ensemble, on était nuls là. T'as vu ? Attends, 3, 4. Les Zeronet Awards. Voilà. Kezako. Kezako, les Zeronet Awards. Eh bien, pour nous en parler, Stéphanie Molinier, la reine des Awards, est là. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous les deux. Ça n'avait pas la pression du tout. T'as vu, pas du tout. C'est très sympa. Allez, on y va, c'est parti. Oui. Bon, les Zeronet Awards, si vous voulez en savoir plus, d'ores et déjà, un bel article vous attend. Les Zeronet Awards 2016, vous allez pouvoir voter pour les meilleurs produits de l'année dans le domaine de la high-tech. C'est ça, Stéphanie? Voilà, tu as tout dit. Merci. En fait, alors les Zeronet Awards, voilà, c'est, le coup d'envoi a été donné hier soir. Alors, bien près du micro, Stéphanie. Oui, près du micro. Voilà, parce que bonjour, ça marche micro. Mieux. Voilà, bonjour, micro. En fait, donc, il s'agit d'un gros événement pour Zeronet. Il a lieu chaque année, depuis déjà près de 6 ans, je crois, de mémoire. En fait, cet événement, voilà, en quoi consiste-t-il? On va demander à nos fidèles lecteurs, à nos internautes, de voter pour leur produit préféré. Alors, on ne leur laisse donc pas complètement carte blanche. On a sélectionné pour eux 100 produits, les meilleurs produits testés par les journalistes du labo pendant l'année 2016. Dans tous les domaines. Et, alors, dans, alors, 100 produits, dans, 10 répartis catégories. Dans une dizaine de catégories. Voilà, d'accord, tout à fait, dans 10 catégories. Alors, on a les smartphones, par exemple, de 200 à 500 euros. On a les montres et les bracelets connectés. On a également des produits gaming. Vraiment, toutes sortes de catégories. Voilà. Voilà. Alors on est en train d'en voir quelques-unes là. Hein. Il y a aussi appareils photo. Là c'est pour remettre la pression à Pierre parce qu'en même temps il nous met des images. Vous allez voir les appareils photo, les PC ultra portables. Les PC ultra portables. Voilà. Enfin, voilà. Tablettes, tout ce les tablettes hybrides. Voilà, tous les produits dont on parle tout au long de l'année sur Zeronet. Voilà, hein, exactement. Et qui ont été testés depuis les derniers Awards. 82. Alors notons aussi qu'il y a une nouvelle catégorie, la catégorie des smartphones qui prennent feu. Oui, hein, voilà. Ça vient d'arriver. Oui, je précise, il y aura peut-être le premier Zeronet Award à titre posthume. C'est pas vrai. Puisqu'il nous a, avons maintenu le Galaxy testé, Note 7. Il a été testé, il est dedans puisqu'il a une super note. Voilà, exactement. Mis à part son petit défaut. Il a c'est un très bon produit. Et les internautes votent pour leur produit préféré. Et après tout, s'ils ont envie de rendre un petit hommage au Note 7, pourquoi pas. C'est fou. Mais alors, est-ce que ça, je pose une question bête, mais ça part du principe que tous les gens qui votent ont eu en main eux-mêmes ces produits? Pas forcément. Ou qui ont des amis qui ont ces produits, qui ont pu les voir en magasin, qui rêvent de les acheter, par exemple. Voilà. Donc, en fait, nous, on leur a fourni 10 produits par catégorie. Et c'est tout simple pour participer. Il suffit d'aller sur le site et d'opter
dans chaque catégorie pour son produit préféré. Voilà, hein, donc la catégorie Zeronet Awards. Et vous votez. Alors vous vous dites, ouais, c'est bien sympa, je vais passer du temps, mais pourquoi ? Mais pourquoi je vais passer du temps ? Eh bien parce qu'on va vous offrir des cadeaux si vous êtes tiré au sort. En plus. Voilà, en plus. Bon, ça nous permet quand même de déterminer quels sont les 10 meilleurs produits oui, bien sûr, de l'année, évidemment, ça, c'est sûr. Évidemment. Mais au-delà de ça, tous ceux qui auront voté pourront laisser leurs coordonnées et à la fin du vote, donc c'est une opération qui a démarré hier soir et qui s'achèvera le 2 novembre. Regardez ce qu'on vous offre. À l'issue de ce vote, nous tirerons 10 chanceux au sort. Et ouais. Donc les gagnants pourront remporter les un peu plus de 2500 euros de lots qui sont mis en jeu. Ah donc il y a 5 exemplaires de OnePlus 3. Du OnePlus 3. Qui est vraiment exactement. L'un de vos smartphones préférés, hein, on peut le dire. Hein, c'est un des coups de cœur, on va dire, dans les ce qu'on appelle les flagship killers, donc voilà. Les smartphones bien spéqués à bon prix. C'est le smartphone emblématique de, il y a eu de ça, cette année. Il y a eu le Honor 8 qui est quand même assez sympa aussi. Mmh. Voilà. Et puis après il y a les hauts de gamme, effectivement, bah forcément, il y a le S7. D'accord. Donc tous ces cadeaux, on vous les offre, on vous offre pas d'N7, hein, non, non. Rassurons-nous. Alors 5 smartphones OnePlus 3, ouais. Et on a également donc le constructeur OnePlus qui met en lot 5 packs. D'accord. Alors ce sont des packs high-tech aux couleurs de OnePlus, donc on a un sac à dos. Oui, des petits goodies, quoi. Voilà, des goodies, un sac à dos avec des écouteurs pour smartphone, une batterie pour recharger cool. son smartphone, etc. Très bien, merci Stéphanie. On va suivre bien évidemment tout au long de cette fin d'année les Zeronet Awards. Hein, on fera une émission spéciale aussi hein, pour faire le point le verdict sur les gagnants. Alors, ce sera juste après le 2 novembre. Alors, on n'a pas encore la date exacte. 2, 3, 4, d'accord. Ce sera très rapide. On en parlera. Et puis donc, oui, si vous voulez remporter ces cadeaux, dépêchez-vous d'aller voter. Il faut aller cliquer. N'hésitez pas. Merci beaucoup Stéphanie. On vote beaucoup hein, dans tous les domaines en ce moment. C'est vrai. C'est la saison et puis, des votes. Puis c'est pas voir, fini. Hein. Tu vas voir qu'au printemps, ça va y aller encore ouais, plus. Ça va y encore plus. Même si ça va être un peu compliqué. Bon, 18h23, Zeronet TV en direct, le Zéro en live hebdo. Et on reste du côté du labo avec Raphaël Grabli qui est là. Salut Raphaël. Salut Raphaël. Raphaël. Oui. Non, je vous en prie. Non, je vous en prie. On le disait, OnePlus 3 a gagné, super smartphone, etc. Là, on va parler maintenant d'un autre produit high-tech très sympa que tu as à ton poignet. Oui, alors je ne l'ai pas exactement à mon poignet. Ah, je l'ai, pardon. Je l'ai mis ici. Donc la c'est cheville. Le Fitbit Charge 2, donc c'est le nouveau bracelet de Fitbit, donc c'est le leader mondial des objets connectés, des trackers d'activité en tout cas. C'est le Charge 2 qui, alors le premier Charge avait été sorti il y a 2 ans. Oui. Il y avait eu un premier Charge HR, donc qui prenait le rythme cardiaque, qui est sorti l'année dernière. Donc là, il vient d'être annoncé à l'IFA, il vient de sortir, alors il est vendu 160 euros. On va dire que la principale différence avec l'ancien modèle que j'ai ici également, je ne sais pas si on peut les avoir à la caméra, c'est l'écran. Ah, il est plus grand. Est, non, vraiment plus grand, on va dire peut-être 4 fois plus grand. Donc c'est un écran OLED. Oui, allez, on va dire. Allez, 3,5 et c'est vendu. Et bon, alors ça change beaucoup de choses parce que par exemple, j'ai été courir avec mon plusieurs fois pour le tester, mais en fin de journée, en extérieur, quand il commence à faire nuit, etc., pour voir les données en direct, bah forcément, il y a une capacité d'affichage qui est beaucoup plus importante. Mm-hmm. On peut voir en même temps le temps, le rythme cardiaque, la distance parcourue, etc. Donc c'est un vrai plus. Alors qu'est-ce qu'il fait ce bracelet ? Il est vraiment orienté sport ? Alors il est clairement sport orienté santé. Alors, sport et quotidien. Sport clairement parce qu'il y a un capteur de rythme cardiaque. Oui. Donc ça c'est très important quand on fait un peu de running bien ou d'autres sports d'ailleurs. Il reconnaît le sport tout seul aussi. Il peut se déclencher tout seul dès qu'il détecte une activité sportive. Après il y a un tracker de... Vous en êtes à l'apéro. C'est ça. Voilà, par exemple. Après il y a un tracker de sommeil. Donc il va nous dire le lendemain si on a une nuit... plus ou moins agité avec un sommeil profond ou si on a mal dormi, etc. On peut entrer la nourriture, tout ce qu'on mange. Alors il y a un scanner de code barre et on scanne le paquet de gâteaux, j'en ai pris 3, donc vous avez consommé ça. Donc on peut aussi se fixer des objectifs de perte de poids. Après, bon, faut scanner tout ce qu'on mange, ou rentrer tout ce qu'on mange avec le smartphone, rentrer tout ce qu'on mange, etc. Bon, c'est un peu fastidieux, il faut vraiment avoir la volonté de le faire. Et il y a un nouveau mode, c'est un mode relax. Alors c'est assez intéressant, c'est un mode qui nous apprend à respirer tout simplement. Ah, alors ça Apple est fort. Ah, tiens. Ouais, exactement, c'est ce sur qu'Apple Watch, c'est comme voilà, sur l'Apple Watch. Oui, exactement. Voilà, c'est ce qu'ils ont introduit avec WatchOS 3. Donc c'est simplement apprendre à respirer. Donc, c'est pas mal. Hein. Alors, on a rigolé au début, mais c'est hyper fait. Bien. Alors on est dans une situation un peu stressante avant une réunion, etc. Mais sinon, juste avant de dormir, c'est hyper bien pour s'endormir. Donc on fait des petites sessions de 2 ou 5 minutes.
Vous allez avoir une sorte de boule qui va gonfler et dégonfler pour vous dire quand inspirer, quand expirer. Et comme il y a le capteur de rythme cardiaque, il va détecter en temps réel si vos rythmes cardiaques baissent suffisamment. D'accord. Et vous allez voir, vous allez faire baisser votre rythme cardiaque sensiblement de quelques battements par minute. Et puis vous allez vous sentir assez décontracté. Ouais. Donc c'est un premier pas vers la méditation, en exact. Fait. Voilà. Très bon pour la santé. Alors c'est pas nouveau, hein. Il y a plein d'applications gratuites qui le font. Sûr. Mais ça s'adapte très bien en fait sur un tracker d'activité avec un petit écran. C'est parfait, je trouve. C'est très bien. C'est pas facile. Moi, je trouve se concentrer sur sa respiration. Au début, ça fait bizarre. Au début, paradoxalement, on se sent presque moins bien. On force un petit peu. Et puis après. Faut se forcer un petit peu à le faire. Raphaël, est-ce qu'on a malgré tout tout ce qu'on désire dans le domaine du bracelet connecté, c'est-à-dire les notifications, SMS, etc. Alors, c'est un tracker d'activité, donc c'est très sommaire au niveau des notifications. C'est pas une montre connectée. D'accord. Là, il y a le Fitbit Blaze, par exemple, qui est sorti il y a quelques mois. En notification, c'est très simple. On a les SMS, les appels et les alertes de calendrier. Oh, c'est donc, déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On a le minimum syndical. Après, bon... L'écran, c'est un écran noir et bleu. On peut lire les SMS ou on a simplement la notification. Non, on peut les lire. Alors bon, c'est sur, c'est affiché. C'est voilà, c'est vertical. Un écran en vertical. C'est verticalement. C'est vraiment, voilà, ça fait le strict minimum. C'est bien pour les Chinois, écran OLED, mais c'est du monochrome, donc forcément, c'est pas fait pour ça. Mm-hmm. Voilà, mais au moins, on sait si on a un appel et qu'on est en train de courir. Si on court, voilà. Voilà, non, c'est utile. Bon, c'est clairement pas une montre connectée, c'est utile. Après, l'écran est assez lumineux pour voir clairement dans toutes les situations. Il garde les 5 jours d'autonomie de l'ancien modèle qui avait un écran plus petit. On l'a vérifié vraiment, ça tient 5 jours. Il n'y a aucun souci là-dessus. Après, le seul bémol, on va dire, c'est qu'il n'y a pas de puce GPS. Donc, on ne va pas pouvoir se libérer de son smartphone. Parce que c'est-à-dire qu'on ne peut pas partir. On peut pas partir sans rien. Et revenir et avoir... Alors, on peut, mais on n'aura pas la cartographie précise. La cartographie. Alors que là, dans l'appli Fitbit, qui est d'ailleurs vraiment bien, moi, c'est une de mes applis préférées en sport. L'appli Fitbit, elle est très claire, elle est hyper bien faite. Et donc, effectivement, elle se couple avec le téléphone. Et quand on rentre, on a le parcours sur la carte. Mmh. Et évidemment, donc, ça utilise la puce GPS du smartphone. Donc, ce n'est pas complètement autonome. Et un autre bémol, alors ça, c'est un petit peu dommage, il n'est pas étanche. Ah, dommage. Donc, pour la natation, alors, ils sortent un autre produit qui est le Flex 2. Il résiste même pas à l'eau, en fait. Aux éclaboussures, évidemment. On peut s'y pleut, par exemple, s'il pleut, en principe, il n'y a pas de souci. Par exemple, mais il n'y a pas de norme, la norme IP67-68, donc on ne pourra pas le mettre dans l'eau. On ne pourra pas nager avec. Donc, ce n'est pas un bracelet pour les nageurs, clairement. Après, si on veut se mettre au sport, si on veut commencer à mesurer et surtout à progresser sur plusieurs mois, c'est un bon investissement. Moi, j'aime beaucoup ce produit. J'aime beaucoup l'environnement Fitbit qui est vraiment bien fait. Donc moi, c'est un produit vraiment que je recommande. Combien tième? Parce qu'ils en ont sorti une. Alors, ils ont sorti plein de produits dans cette catégorie. Le Charge. Alors, le Charge, c'est vraiment le best-seller de Fitbit. Hein. C'est le bracelet pour débuter, etc. Donc, c'est le deuxième, en fait. En fait, c'est le troisième puisqu'il y a eu le Charge HR. Mais dans la gamme Charge, c'est le troisième. D'accord. Et le prix? Alors, le prix, donc 160 euros. Donc c'est quasiment le même prix que le modèle précédent quand il était sorti. Là, on voit un marcheur qui est en train de le tester. Oui. Voilà. Et dans les autres produits... Nous avons de grands mannequins ici à Zéro Net. Qui marchent beaucoup. Bon. Et dans les autres produits, si j'ai une recommandation, les gens qui cherchent avec une puce GPS en plus, j'aurais tendance à recommander plutôt le Samsung Gear Fit 2 qui coûte 200 euros, donc 40 euros de plus. Là, on a un écran couleur AMOLED et une puce GPS, donc c'est autonome. Alors après, il y a l'Apple Watch qui est beaucoup plus cher et qui intègre aussi un GPS pour la version. La Watch Series 2. Merci beaucoup, Raphaël. Avec plaisir. Raphaël Grabi, donc de la rédaction de zeronet.com. Jérôme, avant de se dire au revoir, tu vas nous parler de ton sac à dos. Oui, regardez, je vous ai apporté un sac à dos. Voilà, Jérôme vieillit, les amis. Sac à dos. Dans cette émission, on parlait de techno. Comme dirait Dora l'exploratrice. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce sac à dos? C'est que, regardez. Eh bien, à l'intérieur, vous avez une centrale nucléaire pour recharger votre Note 7. Exactement. C'est très pratique. Voilà, c'est un sac à dos batterie. Vous connaissez les power banks qui permettent de recharger son smartphone en toutes circonstances. Ben là, c'est une super power bank avec 4 ports USB, une prise ici pour les trucs 12 volts style accessoire de voiture ou de bateau. Les prises allume-cigare. Et surtout, exactement, Raphaël, il y a une prise secteur. Donc c'est quand même étonnant. Exactement. Hein, voilà. C'est pas mal. Et alors oui, il est un petit peu lourd, machin, il fait 2 kilos à vide. Je vous en dis pas plus. Moi, je l'ai essayé, je l'ai testé sur un week-end, je l'ai emporté en voyage, dans le train, tout ça, machin. Et je vous ai fait une petite vidéo que je vous réserve et que je vous prépare pour la semaine prochaine. C'est-à-dire que tu prends ça et tu prends ton smartphone, tu peux jouer au Pokémon pendant un an. Ah oui, c'est à peu près ça. C'est ça, non-stop. Voilà.
Bon, le problème, c'est qu'il est un peu petit, mais on rentrera dans les détails. Il n'y a pas beaucoup de place pour mettre autre chose à l'intérieur. Bah, on peut quand même loger un ordinateur, une tablette, un bouquin. Il est joli, hein. Une carte de visite. Non, il est pas moche. Hein. À découvrir bientôt sur Zeronet TV, donc. Et c'est la marque Autonome. Hein, Autonome. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots entre autonomie et puis ohm, les ohms qui sont, comme tu le sais, l'unité de mesure des ampères. Voilà, des ampères. Exactement. Non, de la résistance, on dit n'importe quoi. Oui, parce que là, on va se faire tuer. N'importe après. Quoi. La résistance, mais oui, sûr. La résistance. Les ohms. Oui, l'impédance, la résistance. Très bien. Écoutez, voilà, c'est sur cette note scientifique et physique que nous terminons ce 01 Live Hebdo. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Stéphanie Molinier. Merci à Raphaël Grably. Oui, un dernier tour du côté de la question 01net. Orange, avez-vous moins confiance dans les produits Samsung après l'affaire du Galaxy Note 7? Bien regardez, non à 68%. Donc pour l'instant, ça n'entame pas la confiance. Ouais, vous mais avez malgré tout, il y a un tiers qui sont un peu, qui sont moins chauds, quoi. Ouais, hein oui, moi je voyais que le verre à moitié plein, mais tu as raison, il y a aussi le verre vide à un tiers. C'est quand même impressionnant. Un tiers vide. Merci à toute l'équipe de 01net qui a réalisé ce 01 Live Hebdo. On se retrouve très vite, bien sûr, vous le savez, hein, toute l'actualité high-tech, c'est tous les jours ici. Salut à tous, portez-vous bien.